Enfin, même taille. Non, je suis plus grand. Alors que tu fais. T'as 30 cm de plus de. Tu es pas plus Mais grand. non. C'est tes cheveux qui sont plus grands. Mais toi, droite. Je suis droite. Droite, t'es sûr? Oui. T'es sûr de sûr? Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrux. Aujourd'hui, on se retrouve pas tout seul, et oui, le retour avec Elodie. Bonjour! Salut, hello, hello tout le monde. Ah, t'as dit hello, hello. Oh, c'est trop Eh mignon. oui, Ouais, hello, magnifique. hello. Du coup, aujourd'hui, alors qui c'est d'ailleurs? Parce que je vous sens venir, hein. C'est comme Solène, c'est la même chose, vous faites le même speech. C'est une amie, oui, ça existe, les amis filles de sexe opposé, c'est pas ma copine, voilà, je le dis, hein. Même si je sais que dans les commentaires, ouais, dis pas ça à nous, on te connaît, Pyrux. Non, tu me connais pas, tu me connais pas. Du coup, elle est là, elle est venue en Suisse, on est allé à Polymanga. Et du coup, on a acheté un petit truc à Polymanga. Qui est intéressant, que Polymanga, c'est une convention en Suisse, hein, c'est un peu comme à Japan Expo en plus petit. On a acheté ça. Enfin, j'ai acheté ça. Et du coup, bah, on va l'ouvrir ensemble, tout simplement. Et puis, vu qu'elle est là, je me suis dit pourquoi pas vous proposer une ouverture avec une présence féminine. Parce que vous kiffez, bande de cochons, ça je le sais. Donc, vous inquiétez pas, on va tourner de caméra incessamment sous peu. Et donc, voilà. T'es bien, Dracofeu, j'espère. Bah oui, évidemment. Voilà, dans ça je mes l'ai payé questions. pour le dire. Dans mes questions. Donc ça c'est fait. C'est bien, t'as bien compris le concept. Donc Hélène Dracofeu, son programme préféré, donc y a pas de souci. Donc on va ouvrir ça directement. Allez, à tout de suite. Alors on se retrouve directement sur cet angle de vue. Donc vous voyez pas notre petite tête parce que bon, j'ai pas six caméras non plus. Et du coup, voici donc comment ça se présente. On a donc. Attends, j'essaie de vous le montrer de manière bien jolie. On a donc. Voilà, de plus près. Donc y a plein de reflets. Ah, vous voyez ma tête. 4 boosters de génération. Ils sont bien sûr en anglais, hein. Ce pack n'existe pas en français, il me semble, c'est pour ça qu'on l'a en anglais. On a une foulard Dracofeu magnifique, mais magnifique en petite carte, comme ça on peut la jouer, et en grosse carte, en carte Jumbo, ça s'appelle. Du coup voilà, il y a un Magmar derrière d'ailleurs, qui nous rappelle quoi, j'espère que vous vous souvenez, le fameux combat, Dracofeu, Magmar, tu te souviens? Ah oui, évidemment, voilà, c'est plus avec cool, le combat classe. Voilà, tout à fait. Du coup, je vais ouvrir 3 paquets. Ceux des starters et mademoiselle Elodie va ouvrir le Pikachu parce que bon, c'est une fille et tout ça, donc TMTC préfère les Pikachu. Bah oui, évidemment, parce que je suis une fille, je préfère les Pikachu. T'es pas Pikachu? J'aime bien, mais c'est pas mon Pokémon préféré. Celle qui est préférée là? Là, entre les quatre, bah j'aime bien Dracofeu. Ouais, parce que c'est Dracofeu quoi. C'est mort, c'est marqué au-dessus. Ça c'est mort direct. Après, moi je sais que quand j'ai eu les versions. Quand j'ai eu la version bleue, j'avais pris Bulbizarre donc. Ah, t'aimes bien Florizarre. Florizarre. Bon, alors tu vas ouvrir Florizarre, voilà, je suis tellement gentil quand même. Voilà, et du coup, ouais, ils font magnifique. Et du coup, donc c'est un pack spécial pour les 20 ans, hein, si vous n'avez pas compris encore. Et donc là, c'est écrit ce qui est à l'intérieur, mais on s'en fout. Tout ce qui est important, c'est le Dracofeu qui est ici, le fameux Dracofeu, le fameux sprite et le fameux logo des 20 ans de Pokémon. Maintenant, je sais que vous vous impatientez terriblement, donc on va ouvrir cette chose du plus rapidement possible. Ça vient. C'est juste très compliqué. Wouah! Quelle est belle! Regardez-moi ça! Alors, j'ai pas fait la poussière, excusez-moi. Enfin, genre rapidement. Bon, Elodie, tu fais la poussière après, ok? Oh, après, bah oui, bah, bien sûr! Je suis pas ta femme de ménage! Ah bon? Non! On avait pas continué comme ça? Non! Ok, alors là, on a le Dracofeu, magnifique! Et du coup, on a la petite carte, bien sûr, qui va être très jolie. Un petit code gratos, allez, Elodie, faites-vous plaisir! Faites-vous plaisir, c'est gratuit, c'est Luca, c'est Pyrux, pardon. Hop. Bon, au pire, moi je l'arrache de manière sévère. Hein. Parce que bon, de toute façon. Voilà. Faut aller de manière rapide. Elle a rien eu. Ouais, elle a rien eu. Regarde le dos pour moi. Le dos? Hop. Regarde. Ah ouais, là, ici un peu. Mais bon, de toute façon, ils la mettent de manière qu'on la défense, alors. Hein. Que oh, mais regardez-moi cette beauté, putain de merde! Je jouis! Pardon, Elodie. De voir, c'est. Elle va se dire, mais qu'est-ce que c'est ce fou? Ouais, mais depuis que je t'ai rencontré, de toute façon. Donc, c'est une abonnée, hein, de base, elle suit mes vidéos, elle adore ma personnalité, oui. Le Pyrux que je suis, et du coup, là, elle voit le méchant Pyrux. Le Pyrux un peu démoniaque, un petit peu foufou. Donc, on met le père et le fils ici. Voilà. Ah non, mais non. Je convoie. Voilà. Oh, c'est beau ce fond. Ah, oh, ça, vous pouvez faire un screenshot. Hein. Voilà, screenshot. Non, j'ai mieux. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Mais là, je vous fais plaisir, les gens.
Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est magnifique, ça. Ça, c'est magnifique. Donc, on va commencer, bien sûr, avec celui que je préfère le moins. Donc, Tortank. Ensuite, on enchaînera avec Pikachu, Dracaufeu. Et pour terminer, Elodie ouvrera le sien, qui peut-être sera le meilleur. Hein, on va espérer. Du coup, c'est parti. Alors, on va rapidement... Bon, je vais faire comme David. Vous pouvez faire pause et vous pouvez lire ici ce que l'histoire dit sur les Pokémon Génération. Alors, on va d'abord faire une mise au point. Une mise au point plus intéressante pour vous. Vous faites pause, hein. Il va me défoncer. Non, mais ça me fait marrer parce qu'il y a personne, y a tout le monde qui s'en bat les couilles de ça, en fait. Mais c'est pas grave, hein, David, je t'en veux pas. Je te fais des bisous. N'hésitez pas à aller le solliciter si jamais vous êtes fan de lui, que vous dites « Mais c'est un méchant Pyrux. C'est un méchant Pyrux. » Ne vous inquiétez pas. Je fais n'importe quoi, là. C'est ça. Hop. Hop. Voilà, faites pause là-dessus. Vous allez kiffer. De toute façon, c'est en anglais, hein, vous comprenez rien du tout. Je peux tout traduire. Voilà, vous avez fait pause. Alors. Waouh, ça s'enlève bien. Voilà. Attends. Parce que lui, il avait dit non. Hein. Attends, vite fait, hein. Non, ça enlève bien vite fait, ça dépend. Waouh. Hop. Alors maintenant, il faut faire un truc bizarre. Mm-mm. Je te retourne le paquet. Après, dis-moi, coach-moi. Non, c'est 5 du tout. 1, 2, 3, 4. Et après 1, 2, 3. Et tu les mets dessus. Oh là là. C'est la magie du 1, 2, 3 qui est finie. Elle a disparu. Et voilà, on commence directement avec un Pikachu, les gars. Oh, il est trop chaud. Ouais, il est chou. Il a la queue, c'est pas une femelle. C'est sûr que quand tu regardes par rapport aux premières cartes Pikachu... T'as un souci avec le Pikachu d'avant. Attention, on a l'énergie ténèbre. Un Ramolos. Ah, ça, je connais ça. C'est dans les premières générations, ça. Genre fossile ou je sais plus quoi. Ou jungle. Paras. Oh, elle est pas mal celle-là. Ouais, Flabébé. Et là, t'as vu, il y a un petit truc bizarre là. Oui, c'est parce que justement, ça fait partie de l'autre collection. L'autre la Shining Collection. Ou je sais pas quoi. Je sais plus comment. La Radiant Collection. Oui, Energy Switch. Rivati Rizagno. On a le. Il n'y a que des traîneurs. Des traîneurs. Un marteau. Marteau magique. Attention, première. Waouh, les gars, on a un comment il s'appelle ce con? Sucroquin. Non, c'est pas Sucroquin. C'est Évolution. C'est Évolution. Ouais. Cup Canet. Voilà, Cup Canet, un peu inutile. Il est nu, je crois. Attention, la carte suivante va peut-être être une carte. Oh, oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Electan, Electan, Ultra, Oula, Luca, Luca, Luca. Pyrux, pardon! Oh putain! Oh! Et tu m'as dit qu'il y a que de la merde, Tortank en plus! Tortank qui m'envoie chier direct là! Oh putain! Oh elle est beau! Oh! Oh je le fous en fond aussi! Hop! Et c'est ça qui est la pire. Ah ouais? Je suis pas sûr. Enfin, en vidéo, je crois que tu l'appelles. Oh non, pas celui-là. Pikachu maintenant, on enchaîne avec le Pikachu. Il est beau le Pikachu quand même, hein. Regardez-moi, il est prêt à l'attaque! Le Pikachu un peu en 3D, on continue, je sais que vous impatientez. De toute façon, je vous prends des cartes tous les... Oh merde. Non, ça va, là, c'est casse plus ou face. Oh, attends, j'aime pas. J'ai même pensé. Hop. Ni connu. Ça s'appelle la dextérité de mes doigts. TPTC. Alors, 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, c'est ça. Alors, ouh, Magmar qui nous fait un petit point de feu. Paras. Ah, celui-là je connais. C'est dans Flashfire, exemple. Le Genipan. Clefa Melofé. Bon, Clefa voilà, moi ça me file pas des masques. Et toi alors, en tant que fille, c'est quoi ton avis sur les Pokémon P? Ouais, je kiffe pas non plus. Tu kiffes? Genre, tu kiffes pas? Bah, non, c'est pas. Ah bon? Ouais. Sana, ah, il dit Charma, en anglais. Putain, y'a que des traîneurs, ça va pas. Ah, la River, c'est une peu commune, c'est un Spectrum que j'ai déjà vu quelque part. Attention. Oh, c'est une holo chelou d'Eden. Oh, regarde! Il est trop chaud! Il est trop chaud! Ah, là, t'es kiff, tout d'un coup, là! Là, t'es kiff, hein! En d'Eden, j'avoue, il est chaud. Et là, la carte! Waouh! Dodrio. Waouh! Une carte sublime, Dodrio. Ah, par contre, Téden, il est mignon. Ouais, franchement, il est couché là. On lui veut lui faire un petit couji.
Voilà, bon, Luca, tu te calmes. Alors, on va laisser là, de toute façon, c'est pas très intéressant. Maintenant, les paquets qui m'intéressent. Attention, Dracofeu. Je sens mes mains s'embraser de plaisir, de sensation, d'extase. Oui, ces mots sont tous liés. Attention, le paquet s'ouvre de manière très rapide. Il a envie de se faire... de se faire ouvrir, oui, ça fait bizarre. Alors, c'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ça va. Attention, Machoke, qui prend la pose de Eren, quand il se transforme en titan dans Shingeki no Kyojin. C'est bizarre, mais ça fait penser à ça. C'est vrai. Attention, c'est vrai. L'énergie plante. Un Rakayu. Un Pikachu, on l'a déjà vu. Dommage. Un petit tilton. T'aimes bien aussi, hein? Ah oui. Spectrum. Max Rappel. Max. Oui, Rappel Max, pardon. Oh, Tauro, c'est un des premiers! Ça, c'est dans Jungle, ouais, ouais, je crois. Putain, ça fait. Oh! T'es mignon, le meilleur! Ma pyrolie! En fait, c'est mon préféré des trois, trois qui sont là-dedans. Ah bah oui. Oh, il est trop chou! J'ai envie de faire des câlins jusqu'à l'infini. En plus, il a plein de trucs là. Regardez, la 4. Je sais pas ce que ça veut dire ça. Mais... C'est-à-dire qu'il est. C'est, chaque truc, c'est une mignonitude, tu vois. Genre, il a 4 mignonitudes. Attention! Ok. Non, mais franchement, on a eu. Oh putain de merde, on a eu de la. Attends, mais c'est pas fini, hein. Regardez-moi ça. Enfin, vous voyez pas, mais attends, je vous le remontre. Mais regarde, vous voulez pas lui faire un câlin, franchement. Qui, même le plus viril d'entre vous, avouez. Mettez votre virilité de côté et faites-le un câlin, bordel de merde. Regardez-moi. Il est là. Bonjour, je fais un câlin. Tu veux? Oui. Le câlin, je dis, hein. Pas la carte. Le câlin de Pyroli, je veux bien. Très bien, très bien. Très, très bien. Maintenant, on va switcher. Et ça sera donc Elodie qui va ouvrir le dernier paquet. Est-ce que ce paquet sera le plus épique d'entre tous? J'espère. T'espères? Ouais, j'aimerais bien. Alors, on switch. Du coup, voilà, on se retrouve donc, voilà, c'est pas moi, c'est pas mes petits doigts. Non, on va changer de nom. C'est les doigts un peu plus féminins. Donc c'est parti, tu peux peut-être le paquet si t'as envie, le regarder, parce que t'es bien Florisa. Voilà. Voilà, vous pouvez relire si vous voulez, ça change pas. Ça change pas, c'est juste un fond vert maintenant. Et du coup, on va essayer d'ouvrir ça, sans tout casser. Ouais, sans tout casser, on va essayer. Avec tes délicats petits angles, ça va aller. Ah, elle fait comme ça, ok. Ouais. Ah, elle fait par le dessus. Ah d'accord, ok. J'aime bien comme ça. Ah ouais, ok. Ça ok, je vois. Waouh, délicate pièce avant tu tout. Tu vois, nickel, il est nickel. C'est vrai. Bon après, ouais, seulement, t'as raison. Moi, j'étais un peu plus bourrin. Alors, c'est parti. Ah ouais, mes doigts, c'est vraiment des patates qui paraissent, hein. 1, 2, 3. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'avoir tout de suite. C'est parti. Attention. Ah, je connais celui-là. Alors attends, mets-toi plus près de la caméra. Voilà. Le petit coquillasse. Je connais celui-là. Ah, encore Chenipan. Encore Chenipan. Ce flash fire, je crois. Oh, Dojo, non, il est mignon celui-là. Il est mignon, oui. Ah oui. C'est vrai qu'il est aveugle au-dessus du droit. Genre... Mais non, il rigole. Ah, il rigole, du coup, il envoie. Okay. Bah oui. Il a pas de poils sur les pipis en fait. C'est bizarre. C'est ça. Ah, voilà, plusieurs énergies différentes. Ils sont sympas, ces énergies. Ouais. Mains. Oh, l'étincelle. Regarde, qui c'est qui est à côté? C'est Pyrux, ça? Il lui apprend comment faire le slam. Totalement. Ouais, c'est ça, exactement. Énergie switch. Bon, ça va. Ouais. Oh, Persion. Attends, mets bien dans la caméra. Elle est belle. Elle est belle, elle est sympa. J'aime bien Persion. T'aimes bien? Tu préfères Persion à Miaus ou pas? Ah bah oui. Ah, je sais pas. Ah oui, largement. Ok. Persion. Classe, tu vois. Je sais pas, il a un truc. Je sais pas. Hop. Ah bah tiens, un Fantominus en reverse. En Fantominus en reverse, ouais. Sympa, j'aime bien le Fantominus. On a les deux, en reverse. Et. Attention. Oh oui! Un Dracofeu! Oh, attends, je regarde. Oh oui, c'est bien, Elodie! C'est bien, tu vois! Tu vas. Je vais te donner à manger après, super. Ça fait 3 jours qu'elle mange pas à cause de moi. Ouais, oui, bah oui. Il m'affame. Et la dernière. Oh ah non, la même quoi. Encore bon, c'est pas grave. Franchement, on a eu. Enfin, franchement, moi, je suis content de cette box. Enfin, de cette. C'est de cette. Ouais, de cette box. Alors.
pendant qu'elle vous, elle vous montre, on va faire une magie du montage qui va vous rendre fou de joie. Non mais regardez-moi ce Dracaufeu, en plus c'est quoi, c'est tout la neige? Non, on dirait qu'ils sont là. Si, regarde, il y a des flocons. Ouais, c'est des flocons, ouais, hein. Des flocons. C'est trop mignon. Franchement, et hop, on fait comme ça, tu peux l'enlever. Enfin, tu peux le... Hop. Voilà, tu peux la mettre près des autres en fait, ou devant, ouais, comme ça. Ouais. Ouais. Voilà. Hop. Ouais, tu gères de Piroli, très bien, t'as compris, hop. Ça fait un Dracaufeu, un Zapdos, enfin comme il dit, Hector, un Dracaufeu, voilà, et un Piroli. Voici une putain de pioche. Non, franchement, je suis content. Sur 4 boosters... Ça va. Bah ouais, mais je trouve que dans cette collection, ils sont assez généreux sur... Ouais, mais je crois que Piroli comme ça... Ah oui, mon Piroli comme ça, il est... C'est quoi? C'est une ultra dans l'œil radiante. C'est ça. Tandis que, par exemple, ce qu'on a vu avant, là, le Slurpuff, là, il est où ce con? C'était une. Genre, ou le Deden, c'était genre. Des holos, ouais, ou enfin, c'était des moins rares, on va dire. Ouais. Enfin, je crois que c'est des moins rares. Genre, ça, c'est une holo. Bah, c'est une. Ouais, c'est ça, en fait. Une espèce d'holo. C'est une holo. Je crois. Oh, on voit bien comme ça. Pachi, t'as l'attaque. Pachi! Pachi, Pachi! Je crois que c'est ça, c'est une holo. Bon, bah, du coup, bah, on va vous laisser là. Hein, tout simplement, je sais pas si ça vous a fait plaisir. Et normalement, je vous réserve une petite chose sympathique encore avec Elodie. Donc, restez sur la chaîne. Ouais. Et à la prochaine. Ciao, bye. C'était Pyrrhus. Ciao.